Salam à toutes les sœurs globistes, bonjour à toutes les filles des pays francophones. Café break, premier épisode. C'est ça? Je crois, oui. Enfin, first episode. Kahwa. C'est la section où on, vous, les filles, me demandent des questions. Et je prends 10 minutes où je réponds à une question par semaine, des fois deux questions par semaine. Et vous pouvez me demander n'importe quoi. Donc, j'ai reçu des questions déjà aujourd'hui. La première question que je vais répondre à aujourd'hui, c'est... Jamo, merci pour les vidéos. Bon ben, je me lance avec les questions. Vu que j'ai atteint nettement mon objectif et j'ai repris ma forme athlétique, alhamdoulilah, grâce à Dieu et à tes précieux conseils et les entraînements, je veux avoir encore une fois un atma. Non, tu n'es pas. Tu es vraiment, vraiment optimiste et le français est parti. L'anglais est rentré. Jamo, il est confondu. Jamo, il est perdu, il ne sait pas ce qu'il va dire la prochaine fois. Tu es optimiste et tu es motivé pour arriver. C'est ce que je voulais dire. T'as bloqué, tiens. Donc, tu m'as à savoir si je peux en 6 ou 8 semaines avoir les abdos bien dessinés. C'est l'heure de tout le monde. Comme tu le dis, toi, shredded, avec les routines abdos que tu nous as données, où je dois rajouter une autre chose que ceci. Thank you. Et jazakallah khair. Amin ajma'in, Rabbi yajzina ga. Voilà. La réponse à ta question. Lorsque tu commences une routine d'entraînement, tu arrives ton but, mais après, bien sûr, tu es motivé à encore aller plus en avance. Donc, tu es vraiment motivé. Et tu veux arriver encore à avoir encore plus de résultats. Donc, pour avoir des abdominaux encore plus tracés, tout est dans la diète, tout est dans sortir de la zone de confort, comfort zone, et essayer de s'organiser encore plus. C'est là où les entraînements ou les programmes personnalisés débarquent. Quelque chose que je suis en train de finir maintenant parce qu'il y a, pas, il y a beaucoup de boulot. Donc, c'est un produit qui va être bien sûr payant pour tout le monde. Et je vais vous montrer comment le faire parce que c'est une science. Je te donne un exemple. Mais je veux dire quoi faire pour le moment. Je ne veux pas que tu crois que voilà, Jamo ne va pas me dire parce qu'il veut que j'achète son produit. Ça se passe comme ça. Donc, tu commences à avoir un suivre un programme, tu commences à avoir des résultats au gars, et après un bon bout de temps, tu vas encore pousser, arriver encore à atteindre le résultat que tu vois toutes les filles en train de faire, les corps qu'elles ont et tout. Comment que j'arrive à être comme ces filles? La première des choses, c'est que le pourcentage des filles qui sont comme ça, il est peut-être 0,0001%. Donc, pour arriver à ça, il faut être vraiment, vraiment éduqué. Il y a aussi la place de la génétique. Je suis pas en train de dire que les filles qui n'ont pas de génétique ne vont pas arriver. Bien sûr qu'ils vont arriver, mais il faut vraiment bosser encore plus dur. Pourquoi? Parce que, premièrement, on sait qu'il y a trois types de corps. Tu as les endomorphes, ectomorphes et mésomorphes. Donc, chacun doit suivre un programme spécialisé pour eux. Quelque chose que vous allez avoir. Mais la raison pour laquelle vous allez payer pour, parce qu'il faut bosser. Je ne vais pas vous le donner comme ça. Et en plus, la chose, il y a beaucoup de boulot pour vous expliquer ça. C'est des pages et des pages et des pages. Il faut étudier. Il faut étudier et apprendre comment le faire. Mais c'est comme ça qu'on le fait. La première des choses, il faut établir ton taux, ton BMR, Metabolic Basal Rate, c'est ton métabolique basal. Et de là, ça c'est le nombre de calories que tu dois calculer. Pour juste bouger, donc sans rien faire. Et après, tu as tes calories de maintenance. Et de tes calories de maintenance, tu vas créer un calorie déficitaire. Tu perds du poids.
tu commences à être vraiment plus tonifié. Et de là, tu commences à jouer avec tes calories, jouer avec tes hydrates de carbone, jouer avec tes entraînements et commencer à créer la structure parfaite pour ton corps. Tu vas apprendre ça, Inch'Allah, dans le futur. Je suis en train de vraiment, vraiment me presser pour les faire sortir, mais je ne veux pas faire sortir quelque chose de con. Je vais faire des bêtises et des fautes, et après, il faut que je refasse tout. Donc, pour le moment, si je te dois, c'est ce que je fais. Je commence à vraiment focaliser sur ma diète encore plus. Pas beaucoup de cheat day, cheat meal, parce que si tu es en train de faire du cheat meal et tu veux encore bouger, arriver encore à plus de résultats, il faut être encore plus strict, plus discipliné. Tu prends les 1500 calories que je t'ai données, tu rajoutes 300 calories que le programme que je vous ai donné, la diète, tu rajoutes 3300 calories pour établir encore une plus grande base en calories. Je crois, c'est quoi le mot? Pour ajouter encore plus de calories, bien sûr, à votre taux de calories journalier. Donc, tu as dit 1800 calories. Mais les 300 calories que tu vas rajouter, tu vas vraiment les rajouter. Rajouter ta source, il faut que ça soit basé plus sur les protéines et augmenter encore protéines et glucides et augmenter encore plus de cardio. Donc tu augmentes ton activité de cardio, tu augmentes tes calories. Qu'est-ce qui va se passer ici? Tu vas booster ton métabolisme, donc tu vas encore brûler plus de graisse. C'est ça la base. Et c'est pour ça que je suis sur le programme, c'est tout, il va être détaillé. Je ne peux pas te le dire ici parce qu'on va rester ici 3 heures. Donc, souviens bien toi de ça. Tu rajoutes 300 calories à la diète que j'ai faite. Ta source, elle doit venir des hydrates de carbone et des glucides. Un tout petit peu de bonne graisse. Pour donner une idée, 300 calories, 1 calorie, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, tu peux calculer ça. C'est très, très facile. Donc, tu te bases sur ça. Tu augmentes encore plus ton cardio et tu focalises sur la qualité de la bouffe que tu as. Il faut pas rester confortable parce que si tu veux pousser, il faut être encore plus strict que tout le monde. Parce que tout le monde va avoir un jus de corps, mais tout le monde est en train de relaxer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment focaliser sur tes abdominaux, rajouter encore trois séances, trois séances par jour. Ok, par jour, par semaine. Donc en ce moment, on fait deux, je crois. Troisième séance, et tu la fais après ton cardio. Quand? Le secret que je vais te donner, tu le fais lorsque tu fais ton cardio à jeun et tu fais tes abdos après directement. Tu vas encore puiser plus sur les graisses de tout le corps. Ça ne veut pas dire que la graisse ici, parce que tu ne peux pas faire une localisation directe de graisse. Tu enlèves les graisses d'une partie et d'une partie. C'est pas spot reduction, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Peu de patience. Les programmes vont débarquer dans pas longtemps. Bon, endomorphe, ectomorphe, mésomorphe. La fille qui fait son boulot, elle va avoir un super corps. Celle qui va être fainéana, une fainéana, une fainéana, elle va rien avoir. Salam alaikum, salam alaikum.